coca est une petite espèce de marsupial appartenant à la famille des macropodidés. Voici une description de cet adorable animal. Apparence, les coqas ont une apparence charmante et joviale. Ils sont de petite taille, mesurant entre 40 et 54 cm de longueur, avec une queue d'environ 25 à 30 cm. Ils ont un corps rond et compact, avec de courtes pattes et de petites oreilles arrondies. Leur pelage est épais, doux et de couleur brune ou grise. Leur visage est caractérisé par un nez court et arrondi, de grands yeux noirs et une expression qui semble toujours souriante. Caractéristiques comportementales. Les coqas sont des animaux sociaux et ils vivent généralement en groupes sociaux appelés « colonies ». Ils sont surtout actifs pendant la nuit et le crépuscule, passant la majeure partie de la journée à se reposer dans des abris végétaux. Les coqas sont connus pour leur nature curieuse et amicale envers les humains, ce qui leur a valu la réputation d'être l'animal le plus heureux du monde. Ils ont la capacité de grimper aux arbres, mais ils passent la plupart de leur temps à se déplacer au sol. Habitat et répartition. Les coqas sont endémiques de l'Australie occidentale et plus spécifiquement de l'île de Rottnest et de certaines régions côtières de la région de Perth. Ils habitent les forêts denses, les broussailles côtières et les zones herbeuses. Les coqas préfèrent les zones avec un accès à l'eau douce. Adaptation physique. Les coqas ont développé des adaptations physiques pour survivre dans leur environnement. Leurs pattes avant sont courtes mais robustes, ce qui leur permet de se déplacer avec agilité à travers les broussailles et les forêts denses. Leurs pattes arrière sont plus longues et puissantes, ce qui facilite leurs sauts et leurs déplacements rapides. Les coqas ont également de fortes griffes qui leur permettent de grimper aux arbres et de se nourrir de feuilles et de fruits. Comportement amical. Les coqas sont connus pour leur comportement amical envers les humains. Ils n'ont pas peur de s'approcher des visiteurs et sont souvent prêts à poser pour des photos. Cependant, il est important de noter qu'il est interdit de toucher ou de nourrir les coqas, car cela peut perturber leur régime alimentaire naturel et leur comportement. Régime alimentaire. Les coqas sont herbivores et se nourrissent principalement de plantes, notamment de feuilles, de tiges, de fruits et de racines. Ils sont bien adaptés pour se nourrir de végétation basse et pour survivre dans des environnements où les ressources alimentaires peuvent être limitées. Reproduction. Les coqas ont une période de reproduction toute l'année, mais la plupart des naissances ont lieu au printemps. Les femelles coqas ont une poche marsupiale où elles portent leur unique petit. Après une gestation d'environ un mois, le jeune coca se développe dans la poche marsupiale pendant environ 6 mois avant de sortir et de s'accrocher au dos de sa mère. Il reste dépendant de sa mère pendant plusieurs mois supplémentaires avant de devenir indépendant. Thank you.
Importance écologique. Les cocas jouent un rôle écologique important en tant que dispersant de graines. En consommant des fruits et des plantes, ils ingèrent les graines qui sont ensuite dispersées dans leurs excréments. Cela contribue à la régénération des plantes et à la diversité de l'écosystème. Conservation. Bien que les cocas soient considérés comme une espèce vulnérable, des efforts de conservation sont en cours pour protéger leur habitat et leur population. L'île de Rottnest, où se trouve une grande population de cocas, est une réserve naturelle qui vise à préserver l'environnement des cocas et à sensibiliser le public à leur conservation. Interaction avec d'autres espèces. Les cocas partagent leur habitat avec d'autres espèces australiennes emblématiques, telles que les kangourous et les wallabies. Ces animaux cohabitent généralement pacifiquement et utilisent des stratégies similaires pour se nourrir et se déplacer. Les cocas sont des créatures uniques et charmantes, appréciées pour leur apparence souriante et leur comportement amical. Ils continuent d'attirer l'attention du public et d'être une attraction touristique populaire en Australie. Cependant, il est essentiel de les protéger et de respecter leur habitat naturel pour assurer leur survie à long terme.